Ah non, moi je préfère ça. Ça. D'accord. Okay, d'accord, on y va. Sans le vouloir, ici, avec son film Bande à part, sorti en 1964, Jean-Luc Godard inspira l'un des cinéastes américains les plus populaires de ces dernières années. Pulp Fiction est le deuxième film de Quentin Tarantino, réalisateur américain qui a connu, dès son premier film Reservoir Dogs, sorti en 92, un certain succès critique et public. Succès confirmé par la sortie de Pulp Fiction qui gagnera la Palme d'Or à Cannes en 1994, malgré la déception de certains et certaines. Il enchaînera avec des films majoritairement bien reçus, malgré une petite erreur de parcours. Tarantino est réputé pour trois choses. Un usage excessif de la violence, et c'est pour cette raison que je ne vais pas vous montrer les scènes les plus hardcore du film, mais bon, préparez-vous à un peu de sang et de vulgarité quand même. Un usage excessif des dialogues, ses personnages parlent vite et beaucoup. Ainsi qu'un usage excessif de références au cinéma avec un grand C. Et, cocorico, il adore la France et la nouvelle vague française. La nouvelle vague est un courant du cinéma français, dont les personnalités les plus populaires aujourd'hui sont Jean-Luc Godard et François Truffaut. Bien qu'on peut compter d'autres réalisateurs de génie, comme Jacques Rivette ou Claude Chabrol. Je ne vais pas épiloguer, mais le terme nouvelle vague évoque pour nous des films étranges où on parle à la caméra, où on utilise un montage bizarre afin de rompre avec les productions classiques de l'époque. C'est une période passionnante à étudier, mais là n'est pas le propos. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des personnes comme Martin Scorsese et Quentin Tarantino qui sont fans de tous ces films incroyablement intelligents. Tellement fans que Tarantino appellera sa société de production A Band Apart, comme le film de Godard, Bande à part. Et on y revient. Il est important de savoir tout ça pour comprendre le cinéma de Tarantino. En voyant la scène de danse de Godard, il a envie de deux choses. Déjà, rendre hommage au film qu'il aime, mais aussi s'amuser. Alors pour ça, il utilise son film Pulp Fiction, un film qui raconte l'histoire de plusieurs truands qui se croisent. C'est un film difficile à résumer, mais si vous ne l'avez pas vu, foncez. Et ne vous en faites pas, cette vidéo ne contient aucun spoiler. Mais sérieusement, allez voir Pulp Fiction, c'est un classique. Ici, on a Vincent Vega, un malfrat banal qui a reçu un ordre de son supérieur, Marcellus Wallace, un type qui... on l'aura compris, faut pas le faire chier. Fuck pride. L'ordre est de divertir la femme du boss, Mia Wallace, pendant que lui s'absente un temps. Vincent Vega accepte, principalement parce qu'il ne peut pas refuser. Je rappelle qu'on est dans un monde de drogue, d'argent et de meurtre. Et Mia et Vincent se rendent au Jack Rabbit Slims pour manger un steak. Ils discutent, parlent de tout et de rien, comme il est très courant de le faire chez Tarantino, puis une compétition de danse est annoncée dans le restaurant. Et Mia Wallace, une fille prête à tout qui aime se repoudrer le nez, veut participer. Et elle veut même beaucoup plus. Now I wanna dance, I wanna win. I want that trophy. Vincent Vega, lui, ne veut pas danser, mais parce que c'est la femme du patron et que nous sommes dans un monde de drogue, d'argent et de meurtre, le tout orchestré par le mari de Mia, il accepte. On a donc cette scène. Tarantino lui-même a affirmé que cette scène de danse était une référence directe au film Bande à part. Si on a même deux minutes, on peut s'amuser à mixer les deux. Après, cette scène est aussi une blague avec le passé de John Travolta, acteur connu pour des rôles dansants dans des films comme Grease et La Fièvre du Samedi Soir, et qui, après 1982, connaîtra un grand passage à vide avant de faire son retour sur scène, grâce notamment à Pulp Fiction. Tarantino connaît la carrière passée de John Travolta, qui a joué justement en 82 dans Blowout de Brian De Palma, film que je vous conseille également, et dont Tarantino est un grand fan. Cette scène de Pulp Fiction prend une toute autre dimension quand elle est jouée par Travolta et qu'on connaît le contexte. Parce que lorsque le film est sorti, on a un public qui redécouvre un ancien acteur et danseur transformé physiquement, il a beaucoup grossi, et danser dans un film non musical où son personnage ne veut pas danser. Mais la beauté de cette scène est qu'elle est aussi démonstrative de la relation entre les deux personnages. Je rappelle, Mia Wallace est une fille extravertie qui n'a pas froid aux yeux, elle ne recule devant rien et c'est justement cet excès qui sera la source de la suite de son aventure. Vincent Vega, lui, est un homme embarrassé, il n'a pas envie de faire un faux pas, comme l'ont déjà pu faire d'autres hommes avant lui, selon l'histoire que son compère Jules lui a racontée où Marcellus aurait balancé par la fenêtre un type pour avoir massé les pieds de Mia. Tous ces éléments donnent une dynamique très intéressante au duo qu'est Mia Wallace et Vincent Vega. Ils entrent dans le restaurant éloigné, même que Vincent erre seul parmi les tables. Leur discussion est plus que stérile, parlant de milkshake et de stars hollywoodiennes. Puis, la compétition de danse a lieu. Je ne sais pas vous, mais si vous me demandez de danser avec vous, je vais danser avec vous, et pas en face de vous. Cette chorégraphie s'explique encore une fois par la référence à Bande à part, où les trois protagonistes dansent séparément, également au style de danse qui mêle entre autres du twist, Batucci, Hitchhiker, même si je trouve qu'ils pourraient un peu plus se rapprocher, mais elle est justifiée dans l'histoire car elle sert à montrer la distance
distance qui existe entre les deux personnages. Ça commence avec Mia Wallace qui cherche le contact, tandis que Vincent danse tout seul. Finalement, ils arrivent à croiser leurs regards et petit à petit, ils se rapprochent sans vraiment danser ensemble. On a plus l'impression qu'ils sont dans leur bulle. Je sais que le style de danse est quelque part la raison de cette distance, mais il y a une concentration sur ce que Travolta fait. Son personnage ne veut surtout pas être victime d'une maladresse avec la femme du patron. Mia est clairement la plus dévergondée, dansant comme jamais, tandis que les pas de Vincent se font encore timides et pour être honnête, un peu ridicules, surtout quand on sait que c'est un ancien danseur. Et quand Mia se lance dans des vagues, Vincent la suit timidement, tandis qu'elle est déjà partie beaucoup plus loin. Est-ce que ça pourrait être la cocaïne qu'elle a prise ? C'est goddamn ! Je sais pas trop. Vincent tente le coup disco, mais Mia part encore plus loin. Les personnages apprennent à passer un moment ensemble, à partager quelque chose et donc à s'amuser, sans pour autant prendre contact, parce que Vincent sait que c'est fondamentalement dangereux. Mia se rapproche et Vincent recule. Vincent se rapproche et Mia recule, et ainsi de suite. Chacun reste dans son monde et dans ce qu'ils veulent que cette soirée soit. Vincent ne veut pas souffler sur les braises et Mia veut jouer avec le feu. L'intérêt de scènes de danse comme celle-ci est déjà de montrer un certain contexte, je pense, parce que le choix d'une musique en dit long. Mais ça sert également à créer une véritable connexion entre les personnages. Et puis je pense que Tarantino apprécie filmer ce genre de scène. Tarantino se fait plaisir, tout d'abord en référençant un film qu'il admire, à qui il veut rendre hommage, ça c'est pour son plaisir personnel. Ensuite, il chuchote une blague privée au public en utilisant Travolta de manière assez ringarde, ça c'est une blague pour le public, et le tout sans être gratuit ni oublier qu'il sert une histoire. Ça sert à un vrai propos narratif pour la suite du film, parce que c'est ce petit pas de danse qui permettra d'enchaîner sur les péripéties où Mia et Vincent retournent... Non pardon, j'ai dit pas spoiler. Mais c'est assez intense, croyez-moi. Et si vous avez vu le film, vous comprenez quand je vous dis que cette scène n'annonce que le début de la relation entre Mia Wallace et Vincent Vega. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire toutes ces choses, vous savez parfaitement quoi faire, je vous fais entièrement confiance. J'adore vraiment étudier ces petites scènes que j'appelle vraiment des scènes pivots, où si on les analyse, il y a vraiment plus de choses à voir, et je trouve ça passionnant. J'essaierai d'en faire d'autres, parce que c'est assez court à faire, et je trouve ça vraiment super intéressant. Il faut savoir que j'ai déjà fait une première vidéo sur Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino. N'hésitez pas à aller la voir, s'il vous plaît, je la mettrai à la fin de la vidéo. Et voilà, je reviens très très rapidement avec l'analyse d'un groupe de musique. J'ai vraiment hâte de vous en parler, j'espère que ça vous plaira, en tout cas. Et voilà, mettez la cloche, lâchez une graine, tout ça, tout ça. Tchou !